Bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez. J'ai un message spécial, particulier. Bonjour, bonjour. On a une belle vue sur la ville. Bonjour, connectez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup d'entre vous. Le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour vous, il m'a montré en fait comment vous êtes en train de. En fait, je suis en train de faire le direct presque dans la rue, là, au balcon. Si ça ne va pas, je vais aller à l'intérieur. Donc, le Seigneur m'a montré en fait que beaucoup d'entre vous, vous avez un complexe de l'âge. Et la plupart du temps, vous parlez en vous disant, avant c'était comme ça, mais maintenant, quand j'étais jeune, je faisais comme ça, mais maintenant. Et là, le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire ceci. Avec l'âge, tu deviens plus forte. Écrivez ici, je deviens plus forte. Avec l'âge, ta vision s'éclaircit. Avec l'âge, tu as plus confiance en toi. Tu te rappelles comment tu étais il y a cela 2 semaines? Tu te rappelles comment il y a cela 20 ans? Rappelle-toi l'année passée, quand tu ne suivais pas encore mes vidéos, là, comment est-ce que tu étais? Merci Agnew. Je deviens plus forte. Ce qui te mettait à terre avant. Aujourd'hui, ça te met à terre. Tu tombes seulement, tu te lèves le matin. Tu es comme ça là. Tu pars. Avec l'âge, tu apprends à écouter tes intuitions. Rosine Téné, j'ai demandé d'écrire que je suis plus forte. Tu dis que j'avais trop peur. Ah, toi, tu avais peur, pas moi. Avec l'âge, tu restes maintenant comme ça, tu connais ce que tu veux, tu connais ce que tu ne veux pas. Avant, on pouvait venir comme ça, on faisait tu fuis. Tu arrives quelque part, quelqu'un te menace, tu ne viens plus. Alors on dit bully, quand on te faisait le bully, hein, on te faisait le bullying là, tu fuyais jusqu'à. Tu vas te cacher derrière. Telle personne m'a fait du mal. Elle m'a insulté. Elle m'a parlé fort. Maintenant là, on fait tu fais ma chérie, tu deviens forte. Tu deviens forte.
Tes projets sont en train d'augmenter. Toi, voilà le matin, il est seulement 6 heures. Toi, voilà, il est 6 heures. Tu as déjà 50 endroits que tu vas partir. Tu as 98 appels que tu dois passer. Tu restes comme ça, les projets ne font que venir dans ta tête. Avant, on te faisait du chantage. Quand tu avais besoin de l'argent de quelqu'un pour faire pour construire quelque chose, tu devais marcher. Ouais, on ne me donne pas l'argent. Ouais. Non, maintenant tu es là, tu couvres. Ok, je vais prendre 300 000 ici, je vais mettre là-bas. Après 2-3 semaines, ça va me donner 400 000, 500 000. Je prends, je fais comme ça. Tu deviens intelligente. Tu as la sagesse divine. Ma chérie, tu vas te plaindre de l'âge comment? Tu vas te plaindre de l'âge comment? Quand un homme vient devant toi, il fait ni 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 ni. Tu le lis à distance. Tu le lis à distance. Et quand tu le lis, hein, en le lisant, tu peux facilement dire non. Il fait un peu, je voulais que tu dis non. 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 Avant, on te menaçait. Quelqu'un peut facilement te menacer. Tu as peur. Tu fuis les appels des gens. Tu fuis. Bon, maintenant, tu décoches, tu dis que je ne veux pas. Je ne fais pas. Avant, on pouvait te forcer que tu fasses quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont... Tu es en train de faire quelque chose que tu ne veux pas. Tous les jours, tu es là. Tu n'es pas heureuse, tu es là. Mais avec l'âge, tu apprends à dire non. Tu te lèves, tu dis que je ne fais plus. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Souvent, tu pars quelque part, tu as ton argent. Tu vas acheter quelque chose de 100 000. La personne te conjure. Il te conjure. Non. Achète pour 500 000. Achète pour 500 000. Tu n'avais pas prévu. Hein. Avant que tu sortais tes 500 000. Maintenant, là, tu dis non. On fait n'importe comment. Tu dis, je dis que voilà mon dernier mot. Avant, on te manipulait. Ton mari a fait ça. Donc voilà, en train de pleurer. Ah, comment tu me fais ça? Ouais, tu me fais ça. Aujourd'hui, hein, mamie. On te dit, ton mari a fait... D'accord. Il rentre le soir. Chérie, tu es rentrée. Bonsoir. Assois-toi dedans, tu peux préparer. Tu n'as plus la pression. Tu ne prends plus l'AVC de quelqu'un. Tu ne prends plus le mal de cœur de quelqu'un. Écrivez cela. J'ai mûri. J'ai mûri. La maturité est bien. La maturité est bien. Parce que tu connais ce que tu veux. Tu connais ce que tu ne veux pas. Et quand tu vois ce que tu veux, tu ne cherches plus. Quand tu es jeune, quand tu cherches quelque chose, peut-être tu vas acheter la voiture. Du coup, tu regardes 50 voitures. Tu demandes aux gens, tu en penses quoi? Tu penses quoi de ça? Ouais, tu en penses quoi? Aujourd'hui, tu pars, tu vois première voiture, deuxième voiture. Tu as encore 4 voitures à visiter. À la deuxième voiture, ton esprit te dit, c'est ça, achète, ne visite plus. Tu appelles, tu dis, j'annule les autres. On dit, mais vois quand même tous les autres, non? Vois, non? Est-ce qu'on fait le genre d'achat là? Est-ce que tu dis, non. Tu connais ce que tu veux. Avec la maturité, tu restes comme ça. Le matin, l'esprit te parle, tu écoutes. Avant, tu devais appeler. Tu dis, mais je crois que l'esprit veut que je fasse ça. Tu en penses quoi? Hein? Je crois que tu en penses quoi? Non. Maintenant là, hein.
Tu es zen. Tu pars où? Oui, je pars faire tel truc. Dieu m'a dit d'aller faire. Non, ça ne marche pas. J'ai vu les gens ici dans la ville, ça ne marche pas. Le truc là ne marche pas. C'est Dieu qui m'a dit de faire. Je ne vais pas faire. Avec la maturité, tu as la paix dans ton cœur. Vraiment, quand j'aurai 50 ans, je sais que ça aura le goût. Parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui a 50 ans hier et qui est spirituel aussi. Et là, il me dit, il y a un certain âge où tu ne veux plus faire plaisir aux gens. Quand c'est non, tu dis non. Tu ne veux plus lécher les bottes des gens. On voulait faire un deal avec une dame. On arrive, on regrette. Les gens qui étaient là comment dire, ouais, il faut discuter. Non, il faut discuter. Tu sais, tu peux acheter quelque chose comme ça, doit là, à tel prix. Et la maman, c'était une femme qui a au moins 55 ans. Elle dit, je ne suis pas pressée pour vendre mon produit. Et c'était bien. Tu vois comme je suis belle comme ça, non? C'était comme moi. No make-up, no filter. Mm-hmm. C'était bien fait. Bien fait. Quand il part de là, je dis au monsieur là que quand il voit la femme, si je veux faire affaire avec elle, parce que j'aime les gens que quand ils font quelque chose, ils ne courent pas. Tu vois, souvent même tu peux louer, quand tu loues la maison, hein, tu peux voir la qualité du bailleur en fonction de comment il a fait la maison. J'ai loué une maison une fois à toi là. Le bailleur avait tellement d'appartements que il avait délégué des personnes pour s'occuper. Donc, au moment de déménager, c'était un bailleur qui faisait l'effort tous les 3 mois. Il vient s'asseoir avec les locataires. Il s'assoit. Sur 52 locataires, souvent 10 venaient. Il s'assoit. Il parle. Donc, quand je voulais déménager, ses collaborateurs ne voulaient pas que je parle directement avec lui. Parce qu'ils savaient qu'on va changer le robinet à 45 000. Ouais. On va me charger le robinet à 45 000. On va peindre l'appartement. La main d'œuvre, ce sera 170 000. On va acheter la peinture seigneurie de 90 000. Voilà. Donc, ces collaborateurs me tournent. Ils me sortent un devis sur ma caution de 700 000. Ils allaient prendre. Ils avaient prévu prendre au moins 350 000. Finalement, il y avait un d'entre eux là. Il était très gentil. C'était le concierge. Quand il était là-bas, lui passait souvent les 500 000. Souvent le matin, quand il sort comme ça là, il me dit que ouais, tata, tu vois comment ils font là, non? Il me dit que les gars, s'ils sont en train de planifier prendre ton argent. Écoutez, servir Dieu, c'est bien. Ils sont en train de planifier prendre ton argent. Appelle le bailleur. Et généralement, il est disponible vers telle heure. Appelle-le. Tu lui dis que c'est toi, de tel appartement, que tu veux assortir. Non, que tu es même. J'étais même déjà sorti, dis que tu es assorti. J'appelle le bailleur. Ah oui, c'est toi qui es dans l'appartement là. Ah d'accord, oui, oui, oui. Non, 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 on va te. Demain matin, envoie ton collaborateur, ton chauffeur, chercher ça. Demain matin. Quand tu deals avec les gens qui n'ont plus, qui ne bougent pas, qui ne cherchent pas, et avec la maturité, tu n'as plus que l'envie de dealer avec ce genre de personnes. C'est pour ça que je vous dis toujours que pour même mes produits et mes services, je fais comme les mères de 50 ans, mais vraiment, je ne veux plus courir derrière vous. J'ai fait la lecture des cartes dimanche. Et ce qu'il y en a parmi vous, que vous attendez que je vous dise encore que paye mon argent, tu n'as pas encore compris la chose. Vous devez fonctionner de telle façon que, avec la maturité, tu dois aller quelque part, tu dis que donnez-moi ça, c'est 5 millions. On porte 5 millions, on te donne. On dit qu'elle donne sa parole. Parce que ça vient avec les avantages et les devoirs. Hein? Tu as des devoirs. Tu as aussi les avantages des services. Tu vas quelque part. Tu dis, ouais,
J'ai les hôtels à Douala. J'arrive là-bas, je ne donne pas ma carte d'identité, je ne paye pas. Je reste même une semaine. On ne me demande pas que madame, vous n'avez pas payé, pourquoi? C'est ça la maturité. Parce que ce que vous voulez seulement dire qu'avec la maturité, je n'ai. Mais avec la maturité aussi, tu aspires la confiance. Tu es ancré en toi-même. Et tu vas commencer à attirer les gens. Ce n'est pas l'âge qui compte. Tu vas commencer à attirer les gens vers toi qui vont venir avec la même énergie. Parce qu'au départ, je me rappelle vers 2018, quand j'ai commencé, je me suis mise à temple. J'ai fait l'église en 2019. J'ai fait les produits spirituels, tout ça. J'étais arrivé à un niveau où j'ai dit, j'avais arrêté certains de mes business. Parce que j'avais dit que je ne veux plus dealer avec les petits Nyamangolo là. Et quand au début c'était assez difficile, pourquoi? J'avais un produit. Tu vois, parfois tu peux avoir l'appartement. Je faisais les Airbnb en 2018. Tu as l'appartement, non? Tu fais deux jours, trois jours, tu ne vois pas de clients. Quelque chose te dit, baisse le prix. Chaque fois que j'avais baissé le prix à l'époque, les gens qui sont venus avec le petit prix là, les revues qui m'ont laissé. Quand j'ai commencé à monter, mettre mon prix normal que je pensais que mon appartement valait. Fais Airbnb, c'est l'énergie. Airbnb, c'est l'énergie. Airbnb, c'est l'énergie. Ça m'a beaucoup appris à faire le business. Bonjour, bonjour. Quand je monte mon prix, je mets comme je veux. J'oublie, donc je me dis, les bonnes personnes vont venir. Les bonnes personnes vont venir. Tac. Un couple japonais réserve. Ils arrivent. Ils te payent cash. 10 jours. 150 euros la journée. Ils te sortent 1500 euros. Donc ils ne font même pas que I. Prends un Français qui vient de Paris. Parce que t'es à Reims. Il arrive. Mais pourquoi il n'y a pas ça, madame? Mais franchement, il part, il te laisse une revue. Hein? Une revue de 3500 caractères. 3500 mots. Oui, dans la salle de bain, j'ai vu des cheveux qui étaient placés sur le miroir, derrière le miroir. Vous savez de quoi je parle. comment on peut être animé de l'esprit de Dieu? Diamant noir, je ne vais même pas te répondre, tu as compris? Quelle même sur ma page. Comment tu as pas. Quelle question ça? Laissez-moi continuer mes choses. C'est vous comme ça, hein? Les gens, des personnes que tu ne vas jamais acheter un kit. Parce que ta tête est préoccupée par les non-sens. Comment être pas animé par l'Esprit de Dieu? Hein? Oui, j'ai vu un cheveu derrière le miroir. Donc le miroir est collé au mur. Il a vu le cheveu derrière le miroir. En fait, c'est pour vous montrer les différences d'énergie. Donc, quand je fais Airbnb, moi, je commence à me dire, je ne veux plus les gens qui me donnent un mot de tête. Même si je ne fais pas de bénéfices dessus. Même si je sors l'argent d'un autre de mes business pour venir compléter. Je ne veux plus les mots de tête. Oh là là, le genre de clients que j'ai commencé à attirer. Chou. Écoutez. Le genre de clients que tu veux là, ils sont quelque part dehors. Ils sont dans ta ville. Et quand ils commençaient à vendre les produits à Douala, quand ils faisaient consultation, 65 000. Je disais, produit, 55 000. 65 000. Offrande à l'eau, 100 000. Sacrifice de ceci, 350, 400 000. Ah. Les Nyamangolo viennent. Hein? Qui va acheter ça? Hein? Ici à Douala. Il dit que maman, papa, je sais que ma tête vous énerve, mais ma tête même n'est pas pour tout le monde. Tu as suivi? Qu'est-ce que ça vous énerve? Il m'en fout. Ah Seigneur, le goût de ça, le goût de ça, la paix de ça. Hey. Au début, c'est dur parce que tu vas d'abord combattre les voix des gens. Ça ne peut pas aller. Ça, quand c'est bien, je dis shut up. Si tu es mon employé, n'ose même pas. C'est ce que j'ai dit.
Il dit, non, madame, il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent ça. Je ne fais pas mon produit pour tout le monde. C'est ça la maturité. Je ne cours pas. Voilà même les tours de vacances, les colonies de vacances que j'ai fait. Écoutez encore. Mon école là, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas mélanger les enfants des fous avec les rois. Je ne veux pas. D'où l'importance. Je mets mes prix comme j'ai mis. Ceux qui connaissent la qualité, ou ceux, s'ils ont vu dans moi ce qu'ils cherchent, ils vont seulement venir que sortir la jambe. Payer. L'une des étapes de la maturité, c'est que tu vas dire non à beaucoup. Et en disant non, la peur va vouloir te dire que tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Et j'ai remarqué qu'il y a un autre niveau là, que quand tu consommes ce qui est cher, tu commences à vendre cher. Hein? Quand tu achètes cher, tu vends cher. Ton problème, c'est parce que tu cherches trop la réduction partout. J'ai une de mes filles qui est venue hier, jolie comme ça là. Hein? Elle est vraiment ma fille. Elle est jolie comme ça là. Elle est jaune jusqu'à. Quand elle est venue avec sa mère biologique, ça fait quelques mois. Elle-même ne suivait pas mes vidéos. C'est sa mère qui l'a amenée. Elle disait, oh, mon mariage ne va pas. Oh, mon boulot. Oh, je dis que ma chérie, tu es censée travailler pour toi. Elle avait 27 ans. Et sa mère avait trop peur. En 6 mois, il y a eu un changement de matière. J'ai vu qu'elle me ressemble plus qu'elle ressemble à sa mère maintenant. Hier, elle est venue sortir 55 000. Elle a acheté son kit. Il y a cela 6 mois qu'elle est venue. Je lui ai dit que le kit de 5 ans. Hey, maman, il n'y a pas un produit de 5 000 ici là. Même achetant pour 5 000 là, elle pleurait. Hier, elle est venue. Elle est quittée de chez elle. Comme pangang, pangang. Elle a pris sa moto ou bien je ne sais même pas. Bientôt, tu vas conduire, ma chérie. Je te préviens. Bientôt, c'est la voiture que tu vas garer devant mon bureau. En tout cas, je prophétise sur toi. Sora, je prophétise sur toi. Oui, voilà. Je te bénis. Voilà. Tu ne même si je ne vois pas la vidéo aussi. Je sens ça en toi maintenant. Elle arrive. Elle s'assoit calmement. Je suis venue prendre mon kit. Si vous saviez les bonnes choses qui vous attendent. Maintenant, je vous introduis ce matin à la maturité. Pas la maturité d'âge, mais la maturité d'énergie. Je me suis non. Maturité d'énergie. Tu as 25 ans. Tu réfléchis comme quelqu'un de 50 ans. Tu brasses les choses et l'argent comme quelqu'un de 50 ans. Tu ne bouges pas. Non. Et je vous ai mal dit à dire, si tu as acheté mon produit une fois, parce que mes produits ne sont pas moins chers. Ma chérie, mes produits sont même censés soulever ton énergie. Une affaire message hier soir, elle est venue prendre son kit fondation. Ceux qui sont au Gabon, on vend les produits au Gabon. Ok? Donc, SAMU Social Gabonais, c'est là-bas qu'on est situé. Tu appelles d'abord avant de venir. Elle est partie récupérer son kit fondation. Elle a commencé lundi. Parce que dans les messages, elle me demandait que l'autre si j'utilise comment. J'avais expliqué lundi. Donc, elle a fait lundi, mardi, mercredi. Je dis qu'hier, elle écrit le message, elle me dit que hier, quand elle me lavait, 4e jour du kit fondation, une vieille mère qui est en moi a parlé que je sors maintenant. Marie-toi, tu vas voyager, tu vas prospérer. Elle dit qu'elle a manifesté. Je remercie le Seigneur que c'est même qu'elle a. Elle s'est rappelée de ce que l'esprit disait. Cet esprit-là. Parfois, vous êtes là, vous êtes bloqué. Et je dis toujours à mes employés que je ne suis pas pressé pour mes produits. C'est pour ça que vous voyez très rarement. Quand j'essaie de venir vendre des produits ici, là, mes vrais clients achètent mes produits inbox. Vous me suivez? Mes vrais clients. Que c'est mon temps d'acheter maman.
Je veux ça. Mes vrais clients achètent mes produits. Et c'est quand vous m'écoutez ici 50 jours, 50 nuits. Vous n'achetez pas. Ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je suis zen. Je n'ai pas de soucis. Et je leur disais que quand j'ai conçu les kits, c'est parce que je me suis rendu compte que quand je donnais un produit à quelqu'un, il part. Ça ne l'aide pas. Au lieu de te faire venir me donner 2000, 4000, 10 000. Et après, je reste voir ta vie 6 mois, tu n'avances pas. Je préfère te dire, parce que j'ai compris que rien n'est impossible à l'être humain. Souvent, tu vois quelqu'un, elle pleure l'argent, qu'elle n'a pas l'argent pour acheter le kit. Après, elle te dit, je suis en train de partir au Canada. Ma chérie, tu vas payer le billet d'avion avec quoi? Heureusement qu'on ne bosse pas pour le Canada. On ne bosse pas. Oh Seigneur, quelle idée. On ne bosse pas pour le Canada. Ok, toi qui n'avais jamais l'argent là, tu as trouvé l'argent pour payer le billet pour partir au Canada. Hein? Rien n'est impossible. Fixe-toi seulement des objectifs. L'année passée, j'avais une vendeuse de tomates très fidèle. Elle vendait des tomates au marché, je ne sais pas quel marché là, à Douala. Chaque fois, elle vient. Elle achète le kit 55 000. Vendeuse de tomates, s'il te plaît. Après un jour, elle m'amène sa fille, grande. Elle me dit, ma fille part en mariage. Je veux vraiment qu'elle ait la faveur. J'ai travaillé sur la fille, bon, elle est partie. Mais la vendeuse, elle ne blaguait pas. Elle parlait à ses copines au marché. Ça fait déjà longtemps qu'elle n'est pas vue. Je ne sais pas trop où elle est partie, cette dame. La maturité, c'est de savoir ce que tu veux. Tu as vu des personnes que... Ils sont là-bas à Paris, ils ont un salaire de 1500 euros. Mais leur habillement est impeccable. Tu vois l'habillement de la personne. Sa chaussure est toujours cirée. Il est toujours propre. Il a toutes les marques sur lui. Pourtant, il touche petit salaire. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas l'argent qui te manque. C'est la vision qui te manque. Et quand tu as la maturité, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Tu suis non. Un jour, j'ai envoyé mes employés acheter les colorants en ville. C'est un colorant là pour faire certains produits. Ils arrivent dans le magasin d'un Nigérian. On dit que le monsieur s'y vend les produits de qualité. Dans tout le marché, on a montré 3 personnes. Les 2 autres faisaient les trucs qu'on n'était pas sûr de la qualité. Mais on a dit que le Nigérian, là, lui, hein, ses produits, c'est le bon. Ils entrent dans son magasin. Vous connaissez comme nous, on aime souvent discuter des produits, là, les prix, donc. Ils m'écrivent, ils disent que l'homme-là nous a insolentés. Qu'on entre dans son magasin, on touche. Il dit que, premièrement, je ne vends pas un demi-kilo. Je prends un litre. Un litre. Attends un peu. C'était en litre ou en kilo en tout cas. On voulait acheter demi pour tester d'abord et revenir. Il dit non. Je ne vends pas demi. Ça commence à un à mon tour. Il dit ne veux pas. Laisse mes produits, tu sors, tu pars. Quand mon oncle m'a parlé de lui, j'ai dit waouh. J'aimerais faire affaire avec cet homme. Quand tu traites avec quelqu'un qui est réglo, généralement tu payes un peu cher. Oui. Commence un peu à devenir quelqu'un qui est réglo. Paye ton loyer à temps. Ah, bonjour à cette personne âgée, bonjour. Paye tes loyers à temps. Faut pas qu'on court toujours, tu es censé payer le loyer 5. Le 10, tu es toujours en train de courir. Excusez-moi, je ne peux pas payer. Oh, c'est quoi? Paye même 3 mois en avance. Paye 3 mois de loyer. Hein? Vous aimez toujours. Yay! Parfois, tu arrives même quelque part, tu as l'argent pour payer, tu ne payes pas. Ouais, faites-moi le crédit, non? Voilà comment vous mettez l'immaturité sur vous. L'immaturité.
Après, tu vas te plaindre que tes clients ne te payent pas. Je vends les produits. Les gens regardent. Ils ne payent pas, ma chérie. C'est toi qui fais. Tu me suis. C'est toi qui fais. Tu as compris, non? Mes clients regardent. On me demande une box, on n'achète pas. Oui. Les trois dernières transactions que tu as faites, tu as payé à temps. Hein? Tu as dit que non, donne-moi, je vais te payer. La personne oublie. Tu fuis la personne. Tu crois, tes clients vont te payer pourquoi? L'univers est équilibré. Écoutez, l'univers est équilibré. Bonjour Laure, on a le même prénom Laure. Tu fais quelque chose à quelqu'un, tu crois que personne ne t'a vu. Tu déménages de chez quelqu'un que tu as 4 mois de d'aéré de loyer. Tu déménages la nuit. Hein? Tu fuis en cachette la nuit. Hein? Tu te trompes tout seul. Hein? Tu as compris. Tu dis qu'il faut... Pour te suivre, il faut le cardio. Hein? Je suis arrivé à un niveau où je ne veux plus les gnagnagnas. Même les gens qui me suivent. C'est pour ça que quand vous arnaquez avec mon nom, parce que vous ne me connaissez pas. Si tu parles avec moi, tu converses avec moi, même avec une de mes assistantes, je te cache. I don't want, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu vas voir quelqu'un dire, oh bonjour ma doudou, c'est moi la reine lumière. J'espère que tu consommes mes produits. J'espère que tu regardes ma directe avec un faux français qui sort de je ne sais où. Tu es là, tu parles avec la personne. Que ouais ma doudou, mon bébé, ma chérie, que tu ne me connais pas, moi. Je te doudou. Jesus. Excusez-moi ce matin. Ah. J'ai fait 13 ans en Europe. Et j'étais endetté en permanence. J'étais endetté tout le temps. Je n'avais pas compris certains principes de la vie. Vous riez. Tout acte que tu rends, que tu fais, si tu mal parles de quelqu'un, tu voles l'argent de quelqu'un, tu détournes les clients de quelqu'un, whatever you're doing, you know. Ma doudou. Certains sont mes anciens collaborateurs qui sont partis et ils créent de faux profils pour vous arnaquer. Oui. Vous devez comprendre que tout ce que vous mettez dehors, c'est comme une semence. C'est pour ça que la Bible dit ne vous fatiguez pas de faire du bien. Je m'étais rendu compte que quand j'avais cette dette-là, ça c'est dans ma vingtaine, c'est parce que quand l'argent touchait ma main, je ne payais pas. Je vous enseigne souvent la sagesse financière ici. Je pense qu'en juin, mi-juin, je vais faire des ateliers sur la sagesse financière. Je me rendais compte que j'ai peut-être une dette de 600 pounds avec une entreprise. Je touche 100 pounds. Je peux sortir 20 pounds de 100 pounds là, je paye. Je ne payais pas. Bonne journée, fille posée. Je ne payais pas. Je ne payais pas. C'était comme ça. Je reçois un peu 100 pounds, 50 pounds. Je ne payais pas. Parce que je pensais que je n'avais pas. Ah, je n'ai même pas. Je vais payer les 600 pounds là, comment? Je suis tombé sur des enseignements un jour. C'est pour ça qu'il dit que c'est, la sagesse vient dans les enseignements. Demandez toujours la sagesse. Certains d'entre vous voulez sortir des dettes, mais vous ne savez pas comment faire. Mais quand tu tombes sur l'enseignement de sagesse, ton esprit va te dire. Et comment?
commencer à comprendre que 20% de ce que tu reçois cherche une dette que tu commences à payer. Et tu as déclenché une loi. Tu as déclenché une loi. Comme tu as commencé à payer là, tu mets dans ta tête que tout ce qui touche ma main, que c'est pour moi. Je sors 20%. Je donne. Et en Angleterre, là-bas, tu ne peux pas. Tu peux pas être endetté. Tu appelles l'agence pour payer. Même si tu leur dois 5000 pounds et tu veux payer 5 pounds par mois, ils ne peuvent pas refuser. Donc, c'est là-bas que j'ai aussi appris que quand tu dois à quelqu'un, ce qui énerve la personne, c'est que tu fuis. Ce n'est pas le fait que tu ne payes pas. Tu ne peux pas me payer, ok. Viens, asseyons-nous. Parlons. Voyons si tu peux même quand même me donner sur les 500 000 que tu me dois. Si tu mettais 1000 francs de côté chaque jour pour me rembourser. C'est qu'en un mois, tu as payé 30 000. En 6 mois, tu as payé combien? 180 000. Et le truc, c'est que quand tu commences à rembourser tes dettes, tu développes aussi la capacité d'économiser. Parce que l'esprit d'endettement vient généralement avec un esprit qui fait que tu n'économises pas. Maintenant, quand tu es endetté, ne tombe pas dans le piège de vouloir tout rembourser en une fois. Parce que quand tu tombes dans cela, tu n'auras jamais l'argent qui va suffire pour l'argent là. Tu dois 150 000 à quelqu'un. On va te donner 20 000. Tu n'auras jamais même 100 000. Et même si tu as 100 000, tu auras les problèmes de 200 000 le jour là. Ce qui fait que tu seras plus tenté d'aller payer les problèmes là immédiats. C'est spirituel. Je me suis là. C'est spirituel. Dorian, je suis en train de te dire comment faire pour sortir de là. Tu peux avoir la caisse chez toi. Prends même 3 caisses. Mais le premier pas d'abord, c'est que tu contactes les gens à qui tu dois. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un à qui tu dois et qui t'a poursuivi depuis longtemps. Tu vas vers lui, il te chasse. Tu t'excuses gentiment, hein, pas avec l'arrogance. Je m'excuse, je sais que je te dois. Vraiment. Je reviens vers toi parce que je veux vous faire d'abord une reconnaissance. Je veux reconnaître que tu dois de l'argent. Parce que quand je fuyais là, ça veut dire que je fuyais. Je n'acceptais même pas que tu dois. Est-ce qu'on peut faire un arrangement? Tu négocies. Quand tu dois à quelqu'un, c'est mieux de négocier ce que tu peux payer. Ne dis pas ce que tu ne peux pas payer. Parce que si tu dis ce que tu ne peux pas payer pour faire plaisir à la personne, tu vas encore retomber dans l'ancien système. Et même si tu prends un engagement, après ça, tu n'arrives pas. Pas encore revoir la personne, dit que ajustons ce qu'on a fait. Parce que là, je croyais que ça pouvait aller, mais depuis 2 mois, c'est chaud. Si tu as perdu ton boulot, tu dis non, j'ai perdu mon boulot, mais je me débrouille. Même si je vais encore diminuer peut-être de moitié ce que j'étais censé te donner, mais je vais continuer de donner. Comme ça, tu enlèves la honte sur toi. Tu enlèves l'esprit de peur. Tu mets la caisse chez toi. Si tu as dit que tu vas payer la personne tous les semaines, tu vas mettre dans ta caisse maintenant l'argent tous les jours. Ok? Ne fais pas le genre que tu vas attendre que non. J'attends, quand je suis censé payer tous les 28 du mois, c'est le 27 qu'elle va chercher son argent. Chaque jour que tu rentres, si tu as divisé l'argent de la personne, tu sais que si tu es censé lui donner 30 000 chaque mois, ça veut dire que chaque jour, je dois mettre 1000 francs dans cette caisse. Donc, comme tu sors le matin, même si tu es salarié, on te paye une seule fois par mois. Chaque jour, je veux mettre 1000 francs dans cette caisse. Maintenant, tu as la caisse pour économiser ton propre argent. Tu décides d'économiser 500 par jour. Chaque jour, je mets 500 dans cette caisse et 1000 francs dans cette caisse. Fin du mois, tu casses la caisse. Tu sais qu'il y a 30 000 dedans. Et si tu sautes un jour, le lendemain, tu mets le double. Mais ne saute pas 10 jours parce que ça fera 10 000 et sera dur pour toi. Tout, c'est l'engagement. Parce que parfois, vous pensez que le mariage est facile. Vous pensez que tout engagement qu'on prend, ça a toujours été rose. Non. Il y a les périodes où tu es dans le mariage, tu ne veux plus. Les femmes mariées là, allez, soulevez la main là, soulevez la main. Soulevez la main. Il y a les jours où tu veux quitter, non? Il y a les jours où tu veux jeter le mail. Il y a les jours où tu veux partir, non?
Et tu regardes ça là, tu dis que c'est même quoi ça, n'est-ce pas? Mais tu es là, non? Au peu si, non? Hmm? Oh my god, j'ai peur que mon téléphone tombe. Vous êtes toujours là, non? Voilà. Il y a les jours où l'engagement que tu as pris sera dû sur toi. C'est-à-dire, tu rentres comme ça, là, tu n'as pas l'argent pour mettre dans la caisse. Ou tu as seulement l'argent pour peut-être manger ou mettre dans la caisse. Mets dans la caisse. Mets dans la caisse. Une partie de la maturité, c'est que tu apprends à respecter tes engagements. Il y a un jour où tu veux jeter le chocolat. Hein? Les jours, tu dis que non, le chocolat, tu es amer, je ne veux plus. Après, tu restes une semaine plus tard, un mois plus tard. Le chocolat encore sucré, tu dis que yay. Tu étais ici chaque jour, non? C'est comme ça. C'est ça la maturité. Parce que beaucoup d'entre vous, les entités qui sont en vous, qui font que tu gâtais toutes tes propres choses, ce sont les entités qui font que quand tu es dans ce moment où tu es un peu comme ça là, tu veux quitter, tu vas abandonner. C'est là-bas que l'esprit là te piège. Donc déclare maintenant ici, je suis stable. Vas-y. Je suis stable. La stabilité, c'est une décision. C'est comme un patron qui a des employés. Je suis stable. Je déclare que tout esprit qu'il y avait en toi, venant de ton père ou de ta mère, tout esprit d'instabilité, qui fait que tu ne te stabilisais pas dans ton mariage, dans ton boulot, que tu commençais les business, tu ne finissais pas. Je sors ces esprits de ton esprit maintenant. Je commande à tout esprit d'instabilité de sortir de ton corps. J'enlève la peur de ton esprit. Je déclare que tu n'as plus peur de faire face à tes Goliaths. J'écrase la tête de tes Goliaths au nom de Jésus. Tout Goliath, que ce soit le Goliath des dettes, que ce soit le Goliath du mariage, que tu penses que oh, je ne pouvais pas me marier, peu importe le Goliath que tu avais, je l'écrase. Tout serpent là, on le met sous nos pieds. Tout scorpion, écrivez, sous mes pieds. Tout lion, sous mes pieds. Toute indécision, sous mes pieds. Le doute, sous mes pieds. Le découragement, sous mes pieds. Écrivez sous mes pieds. Le manque de confiance en soi, sous mes pieds. Les flèches qu'on a envoyées, les flèches nocturnes pour mettre la zizanie dans ton couple, sous tes pieds. Toute personne qui est venue habiter chez toi pour mettre des problèmes entre toi et ton mari, sous tes pieds, cette personne. Comment elle va sortir de la chambre où Dieu va te voir, tu domines sur l'esprit qui est en cette personne. Tu domines sur l'esprit là. C'est qu'on a souvent, il y a souvent les belles soeurs ou les belles mères sorcières là, non? Et viens, je dois te déstabiliser. Oui. Je déclare que tu ne paniques plus. J'enlève la panique de ton esprit. Reçois ta stabilité. Reçois ta force. Reçois ta vigueur. Reçois ta concentration. Dans ton business, toute concurrence sous tes pieds. Toute personne qui a voulu prendre tes clients sous tes pieds.
tout esprit de vieille mère qui est dans ton corps, je commande qu'il sorte à l'instant. Amen. Je vous fortifie. Si vous venez d'arriver, écoutez cet enseignement encore, s'il vous plaît. Pendant que vous écoutez, je vous fortifie. Je déclare que ton esprit est fort. Je déclare que tu attires à toi les personnes matures. Je déclare que tu attires à toi les personnes qui font des business avec toi et qui te règlent à temps. Je déclare que toi-même, tu satisfais tes clients à temps. Tout argent que tu as qui est dehors, je déclare qu'on te le rembourse à temps. Tout projet que tu voulais commencer avec quelqu'un, ça tournait depuis. Je déclare que tu reçois la stabilité pour faire ce business. J'ouvre d'autres volets de ta destinée. J'ouvre d'autres volets de ta vie. Je déclare la fidélité entre toi et ton mari. Toute troisième personne, sa mère, sa soeur, sa tante, une Jézabel de dehors, une Chisa, je déclare que cette personne sort de votre couple. Il n'écoute plus cette personne. Au nom de Jésus. Je viens remettre l'harmonie dans ton foyer. Je déclare que vous êtes unis à nouveau. Même si c'est toi-même que quelqu'un est en train de tourner ta tête, je restaure ta stabilité mentale. Je déclare que tu t'assois au nom de Jésus. N'oubliez pas la formation que nous avons fait le premier et le 2. Ceux qui ont les dons spirituels, là, il y a la formation pour vous. Donc vous venez le premier et le 2. Le premier. Je vais voir par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet, on va commencer à faire les services à Douala les dimanches. Mais ça sera tous les deux semaines. On va commencer par là pour voir comment l'esprit nous dirige. Parce que je sens, le Seigneur me montre que vous en avez vraiment besoin. Comme ça, vous aurez un endroit stable où vous allez venir faire, si c'est vos prières, faire ce que vous avez à faire. Donc, s'il y a des gens à Douala, que vous savez que vous pouvez, souvent, j'ai besoin des personnes à Douala qui vont servir. Donc, vous me faites signe. Même si vous êtes à distance et vous avez du temps. J'avais déjà lancé ça une fois, mais après, il y a eu beaucoup de secousses. Donc, vous faites un message inbox. Vous dites, je voudrais qu'on me programme pour servir pour le ministère. Je ferai, chaque fois que je fais un service, je vais faire en live. Donc, vous allez écouter. Ne vous dérangez même pas. Oui. Je mets la paix dans votre cœur. J'enlève toute peur. Tout mauvais rêve que tu as fait la nuit, même si tu as oublié, et ça revenait comme ça. J'enlève le doute, l'instabilité, la peur de ton esprit. Je te stabilise. Quelqu'un qui a une douleur dans le pied gauche, tu es guéri à l'instant. On retire cette douleur de ton pied au nom de Jésus. Toute attaque sur ton ministère, tout don que tu as, que tu t'es appelé à faire quelque chose, et ça a été attaqué, je déclare que tu reprends cet appel. Tu reprends ce bâton. Tu reprends ce flambeau. Au nom de Jésus. Je vois comment le Seigneur est en train de... Ce qui me montre, l'image qui me montre, il est en train de... He's making your heart fat. Il est en train d'engraisser ton cœur. Il fait ton cœur devenir gros et joyeux. Tu vois, quand tu es content, tu as quelque part, tu souris à tout le monde. On t'insulte, tu souris toujours. On te chasse même, tu souris toujours. On dit, elle se prend pour qui? Tu souris toujours. Parce que ton cœur est gras ce jour-là. Je mets la joie infinie dans votre cœur. Je mets la paix dans votre cœur ce matin. Ça va bien se passer. This is my season of favor. This is my season of victory. Kings are coming to my light, oh. I'm going higher by the grace of God, oh. Oil on my head, oil on my head. Hey, 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 hey. Him on my feet, speed on my feet, speed on my feet. Hey, I'm carrying the grace of God, oh. Hey, que la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Je vous bénis. Et merci aussi pour votre fidélité. Il y en a parmi vous, ça fait fidèlement un mois que vous suivez ce que je fais. Un an.
deux ans. Il y a une dame qui m'a même dit l'autre jour qu'elle me suivait depuis 2012. Je crois que... Parce que la fesse, là, ça m'a trop menacé d'abord, avant que je fasse ce que je fais. 12 ou 13, j'étais en Angleterre. Souvent, ils venaient sur ma page personnelle, je faisais les vidéos. Après, j'avais les attaques, je disparaissais même pendant 6 mois. Après, je reviens. Après, je disparais. Et elle me dit que je te suis depuis que tu es en Angleterre. Donc, je vous remercie. Je sais que ce sera pour un long chemin. On va continuer jusqu'à vous allez avoir les Bentley. On va charger un conteneur de Bentley seulement, on va amener ça au Cameroun. Pour vous, ça sera dedans. Oui. On va dire que c'est le conteneur de Gifdiga Academy. Oui, on va faire les pistes d'atterrissage pour nos jets privés. On va loin, hein. On a la vision, hein. On a la vision, hein. C'est une petite femme qui est devant vous ici là. Donc préparez-vous.